kolon jeba. Le journal Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Démarrage des travaux d'un colloque international en hommage au professeur Denis Dognon, enseignant-chercheur, rappelé à Dieu en 2019. Un événement scientifique à caractère international qui a pour thème « Afrique face aux crises, quels défis pour la recherche ?» Les détails en début d'édition. Très prisée par les dames, elle se porte et réajuste la taille en fonction du choix des femmes. Il s'agit des chaussures à talons. Le port de cet arsenal esthétique a-t-il un impact sur la santé de nos dames, à savoir dans cette édition. L'actualité internationale nous conduit au Niger, au Sénégal et en RDC. Au Niger, l'option d'intervention militaire par la CEDEAO semble abandonnée. Sport, l'actualité sportive de cette édition est essentiellement consacrée au football. Foot féminin éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Mali affrontera la Zambie au deuxième tour. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Démarrage hier des travaux du colloque international en hommage au professeur Denis Dognon, enseignant-chercheur, rappelé à Dieu en 2019. Sur initiative de l'Institut de pédagogie universitaire, cet événement scientifique à caractère international a pour thème « Afrique face aux crises, quels défis pour la recherche ?» C'est le premier ministre, Dr. Choguel Kokalamaika, qui a donné le coup d'envoi des travaux en présence de trois membres de son gouvernement, Fousseni Toukara. Cinq ans après son rappel à Dieu, le professeur Denis Dognon reçoit à travers ce colloque international les hommages mérités de ses pairs chercheurs. La rencontre est pilotée par l'Institut pédagogique universitaire. Durant les quatre jours de travaux, les chercheurs émérites du Mali et d'ailleurs sont invités à porter la réflexion sur le thème « Afrique face aux crises, quel défi pour la recherche ?» Professeur Salikou Sanogo, président de la commission d'organisation du colloque. Les hommes qui se sont investis pour que le Mali avance, quel que soit le secteur dans lequel ils ont évolué, on doit reconnaître leur valeur. Les crises depuis des années politiques, institutionnelles, sécuritaires, économiques, il est nécessaire et obligatoire que les chercheurs, n'est-ce pas, prennent ces thèmes-là et voient ce qu'il y a. D'abord analyser, faire des propositions. Le premier soutien de cet événement scientifique majeur est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le premier responsable de ce département voit la pertinence de cette initiative sous plusieurs angles. Bourriman Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et reconnaître et célébrer les qualités et les mérites des scientifiques demeure une orientation cardinale dans la marche de toute université. Je tiens à rappeler à toutes les institutions d'enseignement supérieur l'importance de multiplier de telles activités et mettre, disons, en lumière le travail des enseignants-chercheurs. Le premier ministre chef du gouvernement, Dr. Choguel Kokalamaika, a bien voulu prendre part à cette rencontre. Il est convaincu de la nécessité de l'apport des chercheurs pour compléter les initiatives politiques. Dr. Choguel Kokalamaika, premier ministre. Ce colloque, j'en suis convaincu, va dans la bonne direction. C'est de la promotion de la qualité et de l'excellence que notre pays a besoin aujourd'hui. Car il faut des enseignants, des chercheurs, des savants dévoués pour relever les défis complexes de notre époque. Qu'il s'agisse de la gouvernance, des crises sécuritaires ou des crises sanitaires en Afrique. Il est important de rappeler que nos valeurs endogènes, notre culture, notre histoire ont un rôle central à jouer dans la recherche et l'enseignement supérieur. Au lancement des travaux de ce colloque international, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une annonce dont s'est réjoui l'assistance. Il s'agit de la mise en place très prochaine d'un laboratoire d'études et de recherche sur les risques de déstabilisation.
Le ministre en charge de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé, a rencontré hier dans ses locaux les regroupements signataires de l'accord. Ce cadre de retrouvailles qui annonce la prise des rencontres d'échange vise à faire avancer le processus pour la paix. Les différents mouvements rassurent de jouer pleinement leur partition pour aider le gouvernement à obtenir cette paix tant cherchée. Le point avec Arjou Matina. L'État n'a jamais été un blocage dans la mise en œuvre efficace du processus de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a tenu à rassurer les différents mouvements républicains qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du processus. En rencontrant les différents mouvements, les autorités de la transition poursuivent leur dynamique de paix et de cohésion nationale. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. C'est la volonté du président de la transition pour échanger. Vous dire clairement que le gouvernement est dans une dynamique de continuer vers la mise en œuvre de l'accord de façon intelligente et de dire que le gouvernement n'a pas violé l'accord, n'est pas sorti de l'accord. Et de dire que le gouvernement est dans une logique de reprise des entités de l'aménagement conformément aux résolutions des Nations Unies à cet effet. Au cours de cette rencontre d'échange, le ministre en charge de la réconciliation a tenu à rassurer les regroupements républicains que l'État, dans son rôle régalien, continuera à protéger les populations sur l'ensemble du territoire et n'hésite pas à prendre ses responsabilités en cas d'action isolée. L'action de l'État, c'est une action de sécurisation, de protection des communautés et ce n'est pas une action contre les communautés. S'il y a des actions qui se posent à droite, à gauche, c'est des actions isolées et une fois que l'État est au courant, l'État prend des dispositions. Il faut vraiment faire passer ce message que l'État, de façon globale, est là pour protéger chaque citoyen sur le territoire du Mali à tous les niveaux. Il y a un principe sur lequel l'État va dire. Un, tous les cadres de l'État qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'État, qui sont dans la structure de mise en œuvre de l'accord, vont être remplacés. Maintenant, je vais demander aux mouvements qui ont des membres dans ces cas de proposer des noms pour les remplacer. Second point, tout membre des mouvements qui est dans plus d'une structure de mise en œuvre de l'accord va être remplacé. Le cadre d'échange a aussi été une occasion pour le ministre de rassurer et de clarifier la situation des femmes du CSA qui jouent aussi un rôle important dans le processus. Le dernier point, c'est les femmes du CSA. Votre rôle au sein du processus est important, donc vous devez être pris en compte. Mais malheureusement, l'État n'est pas en mesure pour le moment de soutenir cette participation. Maintenant, ceux-là qui sont dans des structures, qui sont dans des mouvements proches de l'État, bon, je vais vous identifier clairement et puis on verra ce qui est possible d'être fait. Que vous soyez payé ou pas, sachez que vous faites partie du processus de paix et continuez à jouer votre participation. Présent en grand nombre à cet appel des autorités à travers le département en charge de la réconciliation, les participants se réjouissent et saluent l'initiative de la rencontre. Maître Haruna Mamadou Touré, plateforme. Nous rappeler à notre devoir de citoyen malien. Nous avons compris le message. Il nous a appelé au rassemblement, à l'unité autour de l'État du Mali. Youssouf Ag Mohamed, secrétaire général des Gatcha. Très satisfait de cette rencontre parce qu'elle a apporté beaucoup d'éclairage par rapport au futur. Nous sommes vraiment disponibles à accompagner l'État malien. Mohamed Ataïba Sidibé, président CEMI. Nous sommes extrêmement contents d'avoir cette rencontre qui est une très bonne initiative. Le fait que les mouvements qui soutiennent tous le gouvernement se retrouvent pour parler de la mise en œuvre de l'accord, pour parler de comment faire en sorte que les populations ne soient pas victimes de l'amalgame pour faire en sorte que les acquis de l'accord soient maintenus. Les différents mouvements républicains, au sortir de ces cadres d'échange, ont réitéré leur soutien à accompagner le gouvernement dans ses actions pour la paix et le vivre ensemble. Actualité internationale. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, depuis sa chambre, est dans un état très critique. Il a été hospitalisé en début août à Dakar, mais son état se dégrade de plus en plus après sa grève de faim. Selon ses avocats en détention, depuis fin juillet, l'opposant avait repris sa grève de faim le 17 octobre.
Après la prise au pouvoir par les militaires au Niger le 26 juillet dernier, il y a eu une tension entre les autorités militaires et la CEDEAO. L'option d'une intervention militaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Niger semble être abandonnée. Plusieurs pays qui avaient annoncé mettre des troupes à disposition de la CEDEAO ont en tout cas pour le moment démobilisé leurs troupes. Il s'agit des troupes de la Guinée-Bissau, de Dakar et d'Abidjan. La capitale congolaise accueille ce jeudi à samedi et pour la deuxième fois de l'histoire le sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux du monde, Amazonie, Congo et Bornéo-Mékong, qui représente le principal poumon de la planète et régulateur du climat mondial. Le sommet va réunir plus de 3000 participants. Et le dossier de cette édition, le talon d'une chaussure permet d'élever l'arrière du pied et en même temps la taille de la personne qui la porte. En effet, les chaussures à talons à haut talon sont prisées de plus en plus par de nombreuses femmes. Les raisons de leur port sont d'abord une question d'esthétique. Il s'agit aussi d'avoir une certaine taille. Le port des chaussures à long talon a-t-il un impact sur la santé physique de la personne? La réponse dans ces dossiers signés Ami Dambélé. Pour mieux se sentir dans sa peau de femme et avoir une taille élevée, les chaussures à talons hauts faisaient partie des parures préférées de la commerçante Bintou Sila il y a de cela 20 ans. Mais depuis, elle a décidé de ne plus porter ses chaussures pour raison de santé. Pour avoir une taille élevée, je portais des chaussures à talons hauts en me rendant à mon lieu de commerce. Il y a de cela 20 ans. À chaque fois que je m'habillais sans ces chaussures, je sentais que quelque chose me manquait. Mais cette année, à cause de mes douleurs articulaires, mon médecin m'a déconseillé de les porter. Bien avant que je ne tombe malade, j'étais consciente du risque que j'encourais. Depuis à bas âge, les chaussures à talons hauts sont prises par Djeneba Camara, étudiante. Malheureusement, les ennuis sanitaires ont eu raison de cette passion. Depuis toute jeune, quand je regardais les stars défiler à la télé sur leurs talons bien pointus, d'où est venu mon amour pour les talons. Personnellement, à chaque fois que je m'habille sans porter de talons, je me sens insatisfaite, je me sens incomplète. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Un jour, en descendant les escaliers de chez moi, j'ai fait un faux pas et je me suis déplacée la cheville. Dès lors, le médecin m'a interdit le port des hauts talons. Si le port des chaussures à talons hauts était quasi permanent chez Bintou Sila et Djeneba Camara, c'est tout à fait le contraire chez Fatoumata Djigé. Elle les porte de façon occasionnelle pour préserver sa santé. Pour être élégante, je porte les chaussures à talons hauts uniquement pendant les cérémonies sociales, car j'ai appris auprès des personnes plus âgées que le port régulier de ces chaussures provoque des douleurs musculaires. Elles sont nombreuses, ces femmes qui viennent acheter des chaussures à talons hauts chez Abdoulaye Cissé, commerçant. J'ai commencé à exercer ce métier depuis 2009. Ici, je vends les tapettes et les chaussures à talons hauts. Les chaussures à talons hauts sont les plus sollicitées et mes principaux clients sont des femmes. Bien qu'elles soient à la mode, les chaussures à talons hauts ne sont pas sans conséquences sur la santé de la femme, comme nous explique le professeur Seydou Hassan Diallo, neurologue. Marcher sur des talons hauts peut contribuer à dégrader la forme du pied, surtout quand c'est des ports assez longs. Par exemple, il y a des gens qui commencent déjà à porter les talons très tôt le matin et ne vont les enlever qu'après 6 heures, bien même 8 heures jusqu'au soir. Donc ça, c'est des attitudes qui ne sont pas très conseillées parce que le pied a une forme et la chaussure ne respecte pas forcément cette forme. Et donc, au fil du temps, ça pourrait être assez négatif pour la santé, surtout la santé des pieds, car ça pourra favoriser la formation de ce que nous appelons les épines calcanéennes. En fait, c'est des petites arthroses au niveau des os qui se trouvent au niveau de la plante du pied qu'on appelle le calcanéum. Donc, l'épine peut pousser soit en bas ou en haut et être à
la base des douleurs assez pénibles qui pourront handicaper les mains. Mais les personnes porteuses d'épines, et parfois quand ils se couchent, ils sont bien, mais le matin ils ont énormément de difficultés pour se lever, parce qu'il suffit qu'ils portent les pieds sur le sol pour que la douleur commence. Plus du fait que ça peut favoriser des épines calcanéennes, il faut reconnaître aussi que parce que ça incline beaucoup le tendon avec un étirement sur les ligaments, et puis ça peut favoriser l'inflammation des tendons, des chevilles, qu'on appelle une tendinite. C'est une évidence, le port des chaussures à talons hauts nuit à la santé. Alors, faut-il abandonner ses plaisirs au goût amer? Comme quoi se faire belle a aussi un prix. Actualité sportive, football, la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Europe se poursuit. Foot féminin éliminatoire des Jeux olympiques Paris 2024, le Mali affrontera la Zambie au deuxième tour. Sur le plan local, l'équipe nationale des moins de 17 ans a reçu hier le drapeau national des mains du ministre en charge du sport. Cette formation doit aller défendre les couleur nationale à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie. Le développement de la page sportive, c'est avec Abdulkarim Kaba. Commençons cette page de sport par la remise des drapeaux à l'équipe nationale de moins de 17 ans. Cette formation doit aller défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie. Logé dans le groupe B de la Coupe du Monde de moins de 17 ans, Indonésie 2023, le Mali est en compagnie de l'Espagne, du Canada et de l'Ouzbékistan. En organisant cette cérémonie de remise des drapeaux aux jeunes, les responsables de la Fédération malienne de football rappellent les valeurs qui caractérisent le football malien. Moussa Sylvain Diagité, premier vice-président de la FEMAFOOT. Vous êtes des ambassadeurs du Mali et cette chance n'est pas donnée à tout le monde d'aller représenter les 22 millions de Maliens. Et je pense que le talent que vous avez, le courage que vous avez et ce que vous nous avez démontré pendant la CAN, ça fait quelques années que nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de montrer au monde entier que nous, Maliens, on ne sait pas se décourager. Nous ne comptons pas sur personne. Nous sommes nés avec le courage. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous allons montrer au monde entier que nous pouvons vraiment gagner sur tous les fronts. En remettant le drapeau à l'équipe nationale des moins de 17 ans, les autorités de la transition témoignent de l'engagement et de l'intérêt qu'elles accordent à la formation. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les autorités, le président de la transition, le premier ministre, les membres du gouvernement et tout le pays, nous sommes derrière vous. C'est tout simplement pour vous le signifier. Mais pour nous, ça devrait vous apporter de l'énergie. Savoir que vous n'allez pas jouer seul, vous allez jouer avec toute une population derrière. Donc à vous de jouer également votre rôle. Lorsque vous allez sortir, dites-vous que chacun de vous représentez le pays. Chacun de vous représentez le Mali. Donc chaque comportement, tout ce que vous allez dire, ce n'est pas vous qui allez le dire. C'est le Mali qui va le dire. Donc chacun de vous, vous devez comprendre cela. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous serons à la hauteur des attentes. Et merci pour cette confiance. C'est en ces termes que le capitaine s'est adressé aux officiels. Ibrahim Diarra. Merci pour cette confiance. Défendre une couleur pour nous, c'est très très bien. Merci aussi, on est là pour honorer cette couleur et pour représenter le pays qui est le Mali. C'est une fierté pour nous, moi et mes coéquipiers. Vraiment, c'est une promesse pour nous aussi pour ramener cette coupe au Mali. Rappelons qu'après la mise au vert en Arabie Saoudite pendant 10 jours, les Maliens sont attendus en Indonésie le 6 novembre. Le premier match du Mali, c'est contre l'Ouzbékistan le 10 novembre, le second contre l'Espagne le 13 novembre, avant d'affronter le Canada le 16 novembre. Prochain. Football féminin éliminatoire des Jeux Olympiques à Paris 2024, le Mali affrontera la Zambie au second tour. Le Mali sera face à la Zambie en aller et retour. Face à la formation zambienne, les moins de 23 ans du Mali devraient batailler fort pour être au second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques à Paris 2024. En ce qui concerne les autres affiches, le Bénin sera face au Ghana, la RD Congo sera opposée à l'Afrique du Sud, l'Éthiopie jouera contre le Nigeria, la Namibie et le Maroc seront aux prises, la Côte d'Ivoire croisera de fer avec la Tunisie et l'Ouganda sera opposé au Cameroun. Signalons qu'il reste encore deux tours. Ces phases se joueront au mois de février et avril prochain. C'est à l'issue de ces phases que l'on connaîtra les deux équipes qui représenteront l'Afrique au tournoi olympique
Paris 2024. Toujours en football, la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions s'est poursuivie hier. Le Paris Saint-Germain gagne 3-0 face à l'AC Milan dans le groupe F. Dans ce même groupe, Newcastle a été battu 0-1 par le Borussia Dortmund. Le champion d'Europe en titre Manchester City l'emporte par 3-0 devant Young Boys Bern. Dans le groupe G, l'Atlético Madrid et Celtic Glasgow ont fait match nul, 2-0. Le FC Barcelone a poursuivi son parcours sans faute contre Shakhtar. Dans le groupe H, les Espagnols se sont imposés 2-1, tandis que Feyenoord a battu 3-1 la Lazio dans le groupe E. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur la lutte africaine et ses différentes catégories. Justement, voyons ces différentes catégories selon les zones. La leçon de sport est une réalisation des Actiennes. La lutte est un sport bien codifié. Dans une compétition de lutte africaine, la tête de la délégation ne saurait dépasser 10 personnes. Ce nombre est réglementé par les compétitions sénégalaises. Demba Sokho, président des arbitres de lutte au Mali. Une équipe pour participer à une compétition comprend 10 personnes. Il y a 5 lutteurs d'abord par catégorie. La première catégorie c'est 66 kilos. La deuxième catégorie 76 kilos. La troisième 86 kilos. Quatrième moins de 100 kilos. Et la dernière catégorie c'est 120 kilos. Dans la lutte africaine, au-delà de la zone CDAO, il y a une différence, nous dit Demba Dassoko. Au niveau de la compétition de lutte africaine, de la lutte des nations, là, la catégorie 65 kg, 75 kg, 85 kg, moins de 100 kg et plus de 100 kg. Donc il n'y a pas de limite dans ça. Comme les autres sports, les catégories sont bien différenciées et à travers les poids. Dans les catégories, il y a les catégories des Benjamins. Les Benjamins, c'est de 11 à 12 ans et ne doivent pas dépasser 50 kg. La catégorie des minimes, c'est de 13 à 14 ans. Limite des poids, les 5 catégories ne doivent pas dépasser les 55 kg. Les cadets, ça c'est de 15 à 16 ans. Limite 65 kg. La dernière catégorie. Les juniors, 17 à 18 ans. On commence par 60, à partir de 60 kg, première catégorie, et ne doit pas dépasser 100 kg. La lutte au-delà de son caractère sportif est aussi culturelle dans notre pays. Cette heure passée de 23 minutes, la citation du jour, un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été un ennemi. Citation de femme de médias, Oprah Winfrey. Fin de l'édition de cette heure que j'ai eu le plaisir de présenter. Au micro, Fatoumata Kone, mise en onde, Mamadou Bédialo, coordination Ousmane Daou, mise en ligne, Abdelaziz Koulibaly. Vous pouvez suivre tout à l'heure la page météo avec Mamadou B. Keita et les avis de communiqués avec Fousseni Diarra. Grand merci aux auditeurs virtuels de la Chine. Bonne écoute radiophonique.